tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Voilà le chemin que vous devez prendre. Alors dites-le à tout le monde. Que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que vous avez fait. Chacun invoque l'Éternel. Car l'Éternel dit qu'il va répondre. Il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Mais il reste une semaine. Une semaine seulement. Notre Dieu, nous te remercions. Et nous serons sous tes ailes puissantes. Ta gloire est descendue sur nous. Et tu as agi au milieu de nous aujourd'hui. Et tu es allé dans leur maison chez tes enfants. Et partout où ils sont, la gloire de Dieu est descendue sur eux. La puissance de Dieu est entrée dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, merci à toi. Car tu es digne de louange et d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Prenons à présent notre Bible. Salomon, tabla chique voix de Kélia, miachle pipi, oui, attends, lia, et bam. Psaume 91, nous lisons aujourd'hui le verset 15. Nyalak blobana. La parole dit Ayom. Il m'invoquera. Et ma tonne. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel dit. Si l'enfant de Dieu. Observe ses commandements. Et demeure dans la parole. Et quel que soit ce qui se passe, et s'il m'invoque, je lui répondrai. Et si Dieu répond à quelqu'un, qu'est-ce que Satan peut faire alors? Et qu'est-ce que les démons peuvent faire? Que peut faire le coronavirus? Et si Dieu répond à son enfant? Frères et sœurs, tout se centralise ici. Et si Dieu exauce son enfant, et qu'est-ce qui peut vaincre cet enfant de Dieu? Rien. En ce jour, Dieu nous fait connaître ses voies. Et comment nous devons garder fermement Dieu? Et comment nous devons marcher avec Dieu? Dans sa puissance, dans toute sa capacité et dans sa parole. Le temps est venu afin que nous rejetions toute autre chose. Ce monde, il n'y a rien qui soit utile ou qui nous donne un gain. Sinon la puissance de Dieu. Sinon l'œuvre de Dieu. Sinon la sagesse de Dieu. Dans la vie de ses enfants. Alors il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Partout où tu te trouves aujourd'hui, et tu vas invoquer l'Éternel. Il dit te répondre. Qu'il va te répondre. Et personne d'autre ne pourra te répondre. Les démons vont te séduire. Seul Jésus-Christ peut te répondre. Et s'il te répond, il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a aucun autre homme fort. Et si Dieu se lève, qui peut lui demander de s'asseoir? Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Et je serai avec lui dans la détresse. Oui. Et tout le monde le voit. Et ceux dans le monde entier.
Et tout le monde le reconnaît. Le coronavirus, que cette question du coronavirus fait venir une grande détresse dans le monde entier. L'Éternel dit que moi je te délivrerai de la détresse. Quel que soit ce que Satan va amener, l'Éternel dit qu'il va te délivrer. L'économie ne va plus. L'Éternel dit te délivrer. Nous n'avons besoin que d'une seule chose. C'est de revenir à l'Éternel. Et c'est de revenir à lui de tout notre cœur. Et que sa puissance entre en toi. Qu'il te délivrera de la détresse. Qu'il est avec lui. En toute chose. Dans la détresse, il est avec lui. Et qu'il le délivrera. Mon frère, ma soeur. Et ma hâte boubou en moi. Et je le glorifierai. Je te glorifierai. Frères et sœurs dans ce monde, tous se réjouissent si on est glorifié par le monde. Mais cette gloire n'est rien du tout. Mais si tu te glorifies dans ce monde, alors cette gloire est une gloire glorieuse qu'on te donne. Alors l'Éternel va te glorifier spirituellement. Il va t'honorer selon la chair. Et il t'honorera partout où tu seras. Et ta vie va changer. Tes comportements vont changer. Toutes tes démarches changeront. Alors quand tu te mettras debout, invoque l'Éternel. Il dit te répondre. Que si tu l'invoques, il te répondra. Mais regarde un peu ton cœur. Avec quel cœur l'invoques-tu? Ce cœur est-il sanctifié? S'il n'est pas sanctifié, alors sanctifie-le maintenant. Car Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu, il n'oblige personne. Si tu es d'accord de purifier ton cœur aujourd'hui, alors tu contempleras la gloire de Dieu. Pour cela, purifie ton cœur et reviens à Dieu et invoque-le ce matin et il te répondra dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains et commence à le dire maintenant et dis invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi seulement, je te répondrai. Il sera avec toi dans la détresse, en toutes choses. Qu'il sera avec toi et il va te délivrer. Seul l'Éternel peut faire ceci pour nous. Pour cela, tout le monde doit commencer par l'invoquer. Invoque-le de tout ton cœur. Si tu constates qu'il y a un péché dans ton cœur, alors supplie-le à même temps. Dis-lui, mon Dieu, pardonne mes péchés ce matin. Lave-moi dans le saint sang de Jésus. Je ne vais plus le répéter. Et je marcherai avec toi. Et tu me prendras par le poignet. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi et toi, nous marcherons. Et je t'invoque ce matin. Et tu m'as répondu. Alors dis-le. Car personne n'est son égal. Aucun esprit n'est son égal. Aucune maladie n'est son égal. Invoque l'Éternel. Invoque-le, mon frère, ma soeur. Il dit te répondre qu'il est avec toi en toutes choses. Quel que soit ce qui va t'arriver, il sera avec toi. Il te répondra. Il te délivrera. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Invoque son nom. Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom.
Le nom qui est le nom de vie. Le nom du Dieu éternel. Le nom qui existe éternellement. Il est l'unique commencement. Il est le seul à être la fin. Et personne n'est comme lui. Alors dis-le lui. Oh mon Dieu. Je t'invoque ce matin. Car je le crois. De tout mon cœur. Et je le confesse de ma bouche que toi seul es le sauveur, que c'est toi qui exauces tes enfants. C'est pour cela que je t'invoque ce matin et tu m'as répondu aussitôt. Et une nouvelle puissance est descendue sur moi et elle a agi dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Tous les projets de Satan sont détruits dans ma vie. On les a totalement écrasés. Car l'Éternel se lève et ses ennemis sont dispersés. En ce jour, Dieu accomplit son œuvre et dans la vie de ses enfants. Satan, tu n'y arriveras jamais. Et dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, une nouvelle chose commence. Aujourd'hui, une nouvelle chose commence. Dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de chaque enfant de Dieu, cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Cela se manifeste. Tout ce que Satan a entraîné, l'Éternel l'a détruit. L'Éternel l'a détruit du coup. Car les enfants de Dieu, personne ne peut les toucher. Ils ont invoqué leur Dieu. Et l'Éternel des armées a répondu. Il a répondu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne de louange. Et tu es digne d'être honoré. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli. C'est accompli. Cela manifeste dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Remercie le maintenant. Et loue le maintenant. Et dis à Satan qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Satan est un menteur. Il est un menteur. Aujourd'hui, l'Éternel le foule. Et il le détruit totalement. Tout esprit de démon est détruit. La puissance des sorciers est détruite. La puissance des magies est détruite. Les puissances des ténèbres sont détruites. Le coronavirus est détruit. Et dans le nom de Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu a invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a répondu. L'Éternel l'a couvert. Et l'Éternel le couvre de ses plumes. Dans le nom de Jésus-Christ, alors invoque-le. Et dis à Satan, il n'y arrivera jamais. Satan, tu n'y arriveras jamais. Et démon, vous n'y arriverez jamais. Aujourd'hui, mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Et il m'a secouru. Et il m'a sauvé. Et il m'a aidé. Il a conduit saint sauf à destination. Et sa parole se réalise pour moi. La parole se réalise pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Remercie le maintenant. Et dis-le lui. Oh mon Dieu. Tu as accompli une grande œuvre pour moi ce matin. Tu m'as sauvé ce matin. Tu m'as répondu ce matin. J'ai invoqué
invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a demandé de l'invoquer. Il m'a demandé de l'invoquer. Et moi je l'ai invoqué. Je l'ai invoqué. Mon Dieu, je t'ai invoqué. Ce matin, je t'ai invoqué. Et tu m'as répondu ce matin. Et le miracle s'est opéré dans ma vie. La vie a totalement changé. Une nouvelle chose s'est passée dans ma vie. Aujourd'hui, et tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne d'être célébré. Et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et personne n'est ton égal. Qui est-ce? Et où est-il? Tout esprit qui se sont levés ce matin sont totalement dispersés. Ah mon Dieu s'est levé. Et il a brandi son épée. Et il les a totalement dispersés. Et il les a brûlés au feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour nous. Le Sauveur Jésus-Christ l'a fait pour nous. Le Sauveur Jésus, tu l'as fait pour nous. Et c'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te célébrons. Et nous te levons ce matin. Car nous t'avons invoqué. Et tu nous as répondu. Il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a plus aucun homme fort. Sinon toi seul. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et tout est à ta connaissance. Pour cela, notre vie a du prix devant toi. C'est pour cela que tu t'es donné pour nous. Et tu es mort à la croix. Tu as été enseveli. Et le troisième jour, tu ressuscitas. Seigneur, et tu es digne de louange. Dis donneur. Et la parole est accomplie pour nous aujourd'hui. Et nous avons invoqué l'Éternel. Et l'Éternel nous a répondu. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Abobodo ki o de ma utelo. Ah do de ji. Abo haleluya. Abobodo ki o ye de ma ute. Ah ha do de ji. Aye ha do wo de ji. Ha do wo de ji lo. Ha do wo de ji. Ye. Alléluia, papa do kio, oh de ma utelo, a to wo de ji. Oh, ha to wo de ji, ha to wo de ji lo, ha to wo de ji. Yeah, alléluia, papa do kio, oh de ma utelo, a to wo de ji. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant. Et chantons ce cantique. Voulaye. Vade. Chala me bibe Yesu kuda atia unkolo nyama nyaiba avula e va adam nyama nyaiba
Voulaye, Yaman Yaiben, a voulaye, a fade, a tala, ma bibe, Yesu, kuda, tianu kolo, Yaman Yaiben, a voulaye, vade, de la yasia, a tala, ma bibe, Yesu, kuda, a tianu kolo, Yama yaiba, avuya, eva, adem. Apeto Yesu. Seigneur Jésus. O voulaï demi. C'est ton sang qui nous a sauvés. O voulaï honami. Ton sang nous a secourus. Oudisiala. Et ce matin. Répands ce sang sur nous. Qu'il soit répandu sur tes enfants et partout où il se trouve. Le sang est versé dans les maisons. Seigneur, ta parole nous est prêchée ce matin par la puissance du sang dans le nom de Jésus-Christ. Et tu nous accordes la bonne compréhension dans ta parole et la parole agit dans nos vies et tu es digne de gloire, tu es digne de louange dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le nouveau Ika men fika jujole alevia favume fafa chonada lekika mefu me God me fade Yesu subo subo na vovo blibo ale mia ten a asu ya ilame la fi ke nuka mia ha andu la peke mea ame la nuvo kikame fika si chopele ale via fevo amelo fa fa chonada le nouveau qui camera, fika si chauffele, le vieux avec amelo, fafa, acho nada, fafa, acho nada, fafa, acho nada, le vieux avec amelo, fafa. Acho nada, fafa, chonada, yeah, fafa, chonada, yeah, ha, le vieux pauvre, oh, fafa, chonada, oh, le nouveau qui camera, fika, si chopala. Le vieux peuple amalo, fa fa acho nada. Le nouveau qui camela, fika si chopela. Yeah, le vieux peuple amalo, fa fa acho nada. Fa fa acho nada. Fa fa chonada, hey, le vieux peuple, fa fa chonada, fa fa chonada, hey, fa fa chonada, le vieux peuple, fa fa chonada. Praise the Lord. Alléluia. Agbefefela. La vie amère. Non, frères et sœurs bien-aimés.
Nous tous, nous le voyons. Et cela est clair pour tout le monde. Dans le monde entier. Que Dieu amène déjà toutes choses à leur fin. La fin du monde est proche. Frères et sœurs, et Israël apparemment a trouvé maintenant son premier ministre. Mes frères et sœurs, continuons de prier. Car la colère de Dieu, c'est carrément une autre affaire. Et si le monde prend fin aujourd'hui, les enfants d'Israël seront sauvés. Et toi et moi alors, c'est pour cela que nous devons prier avec ferveur. Et Dieu a envoyé ses anges dans le monde. Il leur a dit, allez parcourir le monde. Et observez tous les fils des hommes. Dans tous les pays. Dans chaque village. Dans les rues. Quiconque vous trouverez dans l'affliction. Et qui soupire. Et qui souffre. Alors faites une marque sur lui. Ainsi, quand les choses iront à leur fin et que le désastre frappe, ils ne seront point atteints. Et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront en ayant de mauvaises pensées. Et ils poseront de mauvais pas. Ce qui va les détruire. Mais tout ce que vous auriez marqué, et quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas. Et quand les choses sont détruites, eux, ils seront en toute sûreté. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? C'est la parole de Dieu. Examine-la. Frères et sœurs, nous voyons beaucoup de choses qui sont très importantes. Et nous avons mis de côté le roi Assa et nous en parlerons plus tard. David, la vie femme. David pleure. Oh, frères et sœurs, les jeunes sont entrés dans sa vie. Et ce n'est pas une simple affaire. Mais il n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché fermement à Dieu. Et David se disait tout simplement, Seigneur, je sais que je ne peux me sauver moi-même. Là où je suis arrivé, toi seul peux me secourir. Alors je te garde fermement. Et frères et sœurs, l'Éternel avait secouru. Et si tu gardes fermement l'Éternel, il va te secourir aussi. Jésus-Christ a dit, et ce qui arriva du temps de Noé, et précédant le déluge, arrivera de même au jour de son avènement, et qui est ce présent. Et ce qui arriva du temps de Lot, il dit, arrivera pareillement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Nous étions arrêtés sur un point important. Car nous examinons plusieurs choses qui sont très importantes. Mon frère, ma sœur, où te trouves-tu par rapport à tout ceci? Et quand on prêche la parole de Dieu, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu la mets en pratique? Allô? Ou tu suis de mauvaises paroles? Des paroles mensongères? Et est-ce avec ces choses que tu détruis ta vie? Nous le voyons.
Et Dieu avait révélé cela au prophète Jérémie. Et qu'il avait dit à tout Juda. Babel. Que Babylone dominera le monde entier. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Je lui confie toutes choses. Frères et sœurs. Anania a dit non. Parce que Jérémie avait dit que Juda sera captif à Babylone pendant 70 ans. Et Anania lui l'a dit 2 ans seulement. Frères et sœurs. Lequel vas-tu accepter? Et laquelle acceptes-tu aujourd'hui? Examinons bien ces choses. Retournons là où nous étions arrêtés. Dans le livre des rois. Deux rois. Le chapitre 25. C'est de qui? C'est de Sias. C'est. Il a écouté ou entendu les paroles du prophète Jérémie. Et parce que Jérémie nous l'avait dit clairement. Et nous l'avions vu dans Jérémie chapitre 27. Il dit l'avoir dit à Sédécia. Ainsi que tous ses principaux. Ce que l'Éternel lui avait dit. Mais parce que Anania est venu dire sa parole qui était un mensonge. Et ils ont cru en cela. Zedekia. C'est Nebuchadnezzar qui l'avait établi sur Juda. Quand Joachim s'est donné, c'est livré. Nebuchadnezzar et qu'on a amené à Babylone. Frères et sœurs, nous devons donc examiner ces choses. Nous l'avions concassé la dernière fois. Reprenons aujourd'hui avec le premier verset. Deux rois, le chapitre 25. Le premier verset dit. La 9e année du règne de Sédécia. Le 10e jour du 10e mois. Babel fia Nebuchadnezzar ple epe avako blibola hode Yerusalem. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle. Et éleva des retranchements tout autour. Frères et sœurs. Nous aussi, ce que le prophète Jérémie avait dit. Le roi Sédécia a refusé de l'observer. Car il avait cru dans ce que Anania avait dit. Et il a rejeté ainsi les paroles de Jérémie. Frères et sœurs, ils ont tout fait. À faire entendre à tout Juda jusque dans les coins les plus reculés que personne ne doit tenir compte des paroles de Jérémie. S'il te plaît, écoute-moi bien. Dieu a fini de dire sa parole.
Allez-y, doit on non. Et comment seront les pays? Nous yeji. Les choses qui vont s'y dérouler. Hanania globe ao. Anania a dit non. Mano jine nemao. Cela n'arrivera pas ainsi. Et c'est de qui a cru ça? Et c'est de si elle avait cru. Et on a ben a doublé Boakata. Alors toute la ville. Yuda doublé Boakata, monsieur. Et tout Juda partout. Ouko Hanania ben yala. On crut dans ce que Anania a dit. Depuis les principaux, depuis les soldats, les grands soldats, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde ont accepté ce que Anania a dit. Frères et sœurs, ce que détruisent les faux prophètes n'est pas des moindres. La Bible dit Jérusalem. Le roi de Babylone et toute son armée campèrent autour de Jérusalem. Et Zedekia, Zedekia n'avait pas accepté d'ouvrir les portes de la ville. Il s'apprêtait pour se battre et pour s'opposer au roi de Babylone. Elle disait tout simplement que ce que Anania a dit, c'est ce qui va se réaliser. Que l'Éternel était avec eux. Que c'est l'Éternel qui a bâti Juda. Il est donc avec eux. Les 70 ans déclarés par Jérémie ne sont pas réels. Mais plutôt, 2 ans seulement que Anania a dit, et c'est ce qui sera effectif. Alors que les 2 ans aussi, et allaient prendre fin déjà. Car, frères et sœurs, Zedekia, et il régnait et allait déjà à la fin des 2 ans. Na Babel, bordo du Kodji. Pour la domination de toutes les nations par Babylone. Ainsi donc, il s'est positionné sur cette parole. On avait pris les habitants de Juda ensemble avec Joachim et on les a envoyés à Babylone. Ils étaient là, cela fait déjà plus de 2 ans. Anania dit que c'est 2 ans seulement. Alors Zedekia dit, c'est juste 2 ans pour cela. Nebuchadnezzar ne peut plus les battre. Et qu'ils vont se battre et remporter la victoire. Frères et sœurs, Nebuchadnezzar avait assiégé Jérusalem. Et cela faisait déjà 1 an et 9 mois. Si tu le lis bien, environ 1 an 9 mois. Mais viens voir. Le verset 2. Verset 2. De qui la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Zedekia. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville. Et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Frères et sœurs, Zedekia et son armée étaient dans la ville. Ils se sont préparés à se battre. Mais arrivé à un moment, ils ont constaté que cette guerre, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Car tous avaient faim maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bible
Et à part là, quand on s'y le sam, tout fiapé, agbo, c'est l'église de Dôme là, pour moi dire. Alors, est-ce que je garde à toi pour la droit? Et auto d'agbamon. Alors, la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuient de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Je voudrais que chacun examine bien ses paroles. Quiconque met en pratique la véritable parole de Dieu et qu'il l'observe exactement, Dieu le sauve toujours. Dieu le sauve toujours. Car celui-là observe les commandements de l'Éternel. La vie amère. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. C'est des siens. Ainsi que son armée ont vu qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Pour cela, il vaut mieux s'enfuir. Alors, ils ont fait une brèche. Et pendant la nuit, ils ont ouvert la porte. Et ils sont passés par là pour s'enfuir. Et ils sont allés par le chemin de la plaine. Le verset 5 dit: mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. N'est-ce pas que Sédécie avait dit que l'Éternel a dit 2 ans, pour cela ils vont l'emporter? Alors pourquoi est-ce qu'il a fui? Mon frère, ma soeur, crains l'Éternel. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ceux en qui tu te confies aujourd'hui, un temps viendra où ils seront tous dispersés loin de toi. Tu ne les verras plus. Ceux avec qui tu t'es mis en commun et que vous êtes en train de faire des choses incompréhensibles, toutes ces choses qui vont à l'encontre des commandements de Dieu, ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, et vous le faites encore un peu de temps, et ils vont fuir loin de toi. Ils seront dispersés loin de toi. C'est des siens, ainsi que son armée. Les voilà qui sont partis. Et ces dessins étaient au milieu. Et ils étaient à cheval. Et il avait autour de lui les grands soldats. Et les Chaldéens les avaient poursuivis. Et dans la plaine de Jéricho, et ces grands vaillants, ils ont constaté que là où ils sont arrivés, maintenant, ils ne pourront pas s'en sortir. Et ils se dispersèrent loin de ces dessins. Aussitôt, ils prirent Sédécia ainsi que quelques soldats. Viens voir. Le verset 6. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Le verset 7. Les fils de Sédécia furent égorgés en sa présence. Frères et sœurs, Sédécia n'avait pas 1 ou 2 enfants. Il avait plusieurs enfants. Tous les enfants ont été amenés devant lui. Il était debout, présent. Et on va lui dire tout simplement: n'est-ce pas que tu veux faire
montre de force. Tu pensais t'enfuir devant nous. Et tous ses enfants ont été égorgés devant lui. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? La parole d'Anania, que faisait-elle? Elle était en train de détruire sa vie. Continuons et voyons. Puis on creva les yeux à Sédécia. On le lia avec des chaînes des reins et on le mena à Babylone. Est-ce vrai? C'est bon. Sais-tu? On lui a crevé les yeux. Et on lui a mis des chaînes, des reins. Et on l'a mené à Babylone. Ok. C'est bon. Mais avant de continuer, retournons aux questions auxquelles nous répondons. Concernant Lot. Le dimanche dernier, j'avais posé cette question. Et qu'est-ce que Dieu a révélé dans sa sagesse? Quelle épreuve? Et pour révéler et mettre à jour ce qui était caché dans le cœur de Lot pour que Abraham le découvre. C'est que Dieu a fait en sorte qu'il y ait une dispute entre les éleveurs et de Lot et ceux d'Abraham. Tout ce qui se passe, il y a un objectif précis. Car rien ne se passe ainsi. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie de ceci. Garde les paroles en tête. Les questions ne sont pas finies. Et nous continuons. Frères et sœurs, ce jour-là, et quand Dieu a fait en sorte que les bergers de Lot et d'Abraham se querellent, je t'avais dit qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et dans son cœur, Lot, il pensait que Lot va devenir son héritier. Car c'est le fils de son frère. Et son frère était déjà mort. Et Abraham avait pris Lot et l'a élevé. Et il est devenu adulte et s'est marié, a eu des enfants. Or, Lot avait une autre pensée en tête. Par cela, Dieu a mis à cœur d'Abraham cela. Et Abraham lui a dit, Lot, sais-tu, nous sommes frères. Nous ne devons pas nous disputer. Par cela, voici le pays est devant nous. Si tu choisis d'aller à gauche, et moi j'irai à droite. Si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Abraham n'avait pas dit, maintenant voilà, je partage la terre. Va vers la gauche. Allô? Ou va vers la droite, non. Non. Frères et sœurs, crains Dieu, car Dieu est puissant. Si Lot était quelqu'un, il allait dire à Abraham, mais les disputes entre les bergers, c'est pour cela que moi je vais te quitter. Cela n'arrivera pas ainsi. Les bergers, nous allons les réorganiser. Et s'ils refusent, on va les châtier. Au pire des cas, on va les chasser. Et allons prendre d'autres bergers. Mais
La pensée qui animait Lot, il avait révélé ce jour-là. Et il a choisi d'aller vers les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et il est parti là-bas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important là-dessus. C'est toujours dans le même sens de ce que nous sommes en train de dire. Matthieu chapitre 16, le verset 22. À partir du verset 21, Jésus avait parlé à ses disciples concernant ce qui va lui arriver à Jérusalem. Et comment il va souffrir. Et les principaux sacrificateurs et les scribes vont le mettre à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et quand Jésus leur a dit cela, Pierre a dit quelque chose en retour. Le verset 22 dit, Pierre l'ayant pris à part. Et Pierre avait pris Jésus à part. Et se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Frères et sœurs, nous voyons quelque chose. Et ce qui se passe ici, ce n'est pas que Pierre cherchait son propre intérêt ici, non. Et Pierre reprenait Jésus parce que Jésus disait qu'il va mourir. Alors Pierre l'avait repris là-dessus. Que cela ne lui arrive pas. Mais ce que disait Pierre n'était pas dans la parole de Dieu. S'il te plaît, écoute-moi bien. Et Pierre n'avait pas planifié cela. Et pour le dire à Jésus, non. Pas du tout. Jamais. Quand Jésus leur a parlé, alors Pierre a eu en même temps cette idée. Oui. Et faire mourir Jésus. Aussitôt, Pierre a dit, Seigneur, viens. Je te prie que cela n'arrive pas. Mais, ce que disait Pierre n'était pas dans la parole de Dieu. Par cela, on ne l'observera pas. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, une fois que tu l'observes, c'est que tu as détruit ta vie. Viens et voyons ce que Jésus-Christ a dit. Le verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oui. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Ce qui veut dire, Satan, que Satan avait mis dans la bouche de Pierre cette parole. Et qu'il disait à Jésus, en ce moment-là, qu'il ne meure point. Car, frères et sœurs, si Jésus ne meure pas, nous allons périr. Et c'est ce que Satan voulait faire. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Mais Pierre, il ne savait pas encore ces choses-là en détail. Pas du tout. La mort de Jésus va nous donner à nous la vie éternelle.
Mais Pierre ne savait pas cela. Pour cette raison, il a dit à Jésus que ceci n'arrive jamais. Sans savoir que c'était Satan qui parlait et par lui. Mais en vérité, et Pierre n'était pas en communion avec Satan. Non. La chose était entrée momentanément en lui et il a déclaré. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, viens et voyons. Et il continue en disant, nous disons, tu mets en scandale. Jésus n'était pas en train de dire que toi, Pierre, tu mets en scandale, non. Ce qui sortait de la bouche de Pierre, c'était cela, le scandale. Car Satan s'est servi de la bouche de Pierre pour le dire. Il ne s'agissait donc pas de Pierre à qui on adressait directement cette parole. Ne venait pas de Pierre. Cette parole venait de Satan. Frères et sœurs, nous voyons comment Jésus traite ces choses, afin de savoir que si quelqu'un te dit quelque chose et te demande de le faire, et tu dois examiner cela pour voir si c'est dans la parole de Dieu. Jésus dit qu'il est venu dans ce monde et pour faire la volonté du Père. Et ce qui sortait de la bouche de Pierre n'était pas dans la volonté du Père. Et sache que c'est Satan qui le disait. Et Pierre, lui, ne savait pas que c'était Satan qui l'utilisait. Ainsi, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satana. Toi Satan, car tu mets en scandale. On dit donc des choses aux gens. Prenez un balai, balayez. Et il le faisait. Mais toutes ces personnes n'ont pas cherché à savoir si ce qu'on leur demandait de faire était dans la Bible. Si Dieu l'avait dit réellement, car quelqu'un se fait appeler pasteur ou prophète. Aude. Non. Tout ce qu'on te dit, et tu dois le comparer à la parole de Dieu. S'il n'est pas conforme à la parole, tu ne dois pas le faire. Sinon, tu vas te détruire. Frères et sœurs, Jésus est venu dans ce monde. Quand il est mort, enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Il est devenu le Seigneur des Seigneurs. Tu peux le trouver dans Hébreux chapitre 1er. Et dans Philippiens chapitre 2, tu le trouveras aussi là-bas. Frères et sœurs, toutes ces choses, du fait qu'il s'est donné en sacrifice, alors le Père aussi lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse. Si Jésus-Christ n'avait pas observé la volonté du Père, il ne pouvait pas atteindre ce niveau. Non. Il est cher que Dieu a formé et il s'est mis en lui et est venu dans ce monde. Oui. Frères et sœurs, examinez bien ces choses. Continuez encore un peu. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vois-tu comment Jésus l'a dit? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le palais qu'on prend pour balayer n'était pas les pensées de Dieu. Mais celle des hommes, cela vient d'un homme. Et une fois que ce n'est pas dans la pensée de Dieu, alors c'est pour un démon. Oui. Et voilà tout. Et tu as tiré ainsi un problème sur ta vie quand tu as pris ce balai pour balayer. Mon vieux, frères et sœurs,
Consider ton va y voir. Trois semaines sont déjà passées. Il reste encore une semaine. Crains Dieu. Crains l'Éternel des armées. J'ai dit qu'il aille sur les ondes radio ou à la télé pour le dire. Car ils ont amené les gens à pratiquer cela. Quiconque a cédé à cette pratique, on l'a envoyé entre les mains d'un démon. Le serpent qu'on a tué. Et on y a mis dans le sang un mouchoir. Et pour le vendre aux gens. Les gens n'ont pas su ce qu'ils ont pris. Et tu as pris ainsi un serpent en toi. Le serpent est rentré dans ta vie. Peu de temps après, tu vas rencontrer le serpent. Et il s'agit de toi-même. Et c'est ta vie qui va périr. Et on fera sortir du sang de ta vie. Ah oui. Parce que tu as pris le sang d'un serpent. On va prendre ton sang. Et tu ne sais pas dans quoi tu es tombé. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Qu'ils le disent rapidement à tout le monde. Et que tous ceux qui ont cédé à cette pratique supplient l'Éternel pour lui demander de les sauver. Car si ces conséquences arrivent, cela ne va pas être simple. Anania avait fini de parler. Anania avait dit ses paroles. Et Sédécia avait cru en lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses fils ont été égorgés devant lui. On a crevé ses yeux. Où est-il parti, Anania? Pourquoi n'a-t-il pas secouru Sédécia? Mon frère, ma soeur, et quand l'heure va sonner, personne ne viendra te secourir. Alors hâte-toi de te repentir. Car ce qui va arriver sera difficile. Jérémie l'avait dit, ils n'ont pas cru. Et moi aussi, je te le dis. Et tu ne le crois pas. C'est ton affaire. Jésus continua. Alors Jésus dit à ses disciples, et si quelqu'un veut venir après moi, et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui veut dire, renonce à toi-même. Renonce à tout ce qu'on va te dire, qui ne sera pas dans la parole de Dieu. Renonce à cela. Tout ce que tes pensées vont te dire, qui ne sera pas dans la parole de Dieu. Renonce à cela. Sinon, ta vie va en pâtir. La Bible continue en disant, prends ta croix et de le suivre. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Oui. On t'a donné le sang du serpent. Parce qu'on t'avait dit que tu seras sauvé ainsi. Or, tu t'es vendu. Tu t'es vendu à l'esprit de serpent. Et l'esprit du serpent t'a possédé. Et a possédé ton travail. A possédé ton marché. A possédé ta maison. Cédé partout. A possédé ton mariage. A possédé la vie de tes enfants. Ce n'est donc pas une simple chose. Tu t'es vendu. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui va accepter la parole de Dieu et pour la mettre dans son cœur et souffrir pour la parole, ne crains pas. Car c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il va te sauver la vie amère. Qu'il te sauvera. Qu'il te sauvera assurément. Il continue.
la bana vire ka wanya na am. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme? Où que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu vas donner? On dit, que donneras-tu si tu vends ton âme? Ce jour-là, tu as pris le mouchoir du serpent. Tu as vendu ton âme sans que tu le saches. Tu as ainsi vendu ton âme. Et on a pris ton âme. Est-ce que tu sais à quoi on l'a destiné? On est en train de te détruire. On est en train de te détruire. Je dis, car si vous voulez le pardon de Dieu, voilà le chemin que vous devez prendre. Alors dites-le à tout le monde. Que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que vous avez fait. Chacun invoque l'Éternel. Car l'Éternel dit qu'il va répondre. Il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Mais il reste une semaine. Une semaine seulement. Tu as vendu ainsi ton âme. Tu as pris un balai pour balayer. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ainsi ton âme. On dit, que donneras-tu en retour pour gagner ton âme? Le temps est venu. Viens voir. Allons dans Luc. Le chapitre 22. Frères et sœurs. Nous sommes encore venus à quelque chose ici. Que après toi la gloire, Bena, Simon, quoi Satan le miadim, ben y'a gommi, abe allez si au bonalou ene. Le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Onya, sais-tu, la fille Hala, ici également, Pierre ne savait pas que quelque chose se passait. Pas du tout. Mais Jésus, lui, le savait. Jésus a dit, Simon, Satan vous a demandé et pour vous cribler comme le froment. Ce balai que vous utilisez, c'est Satan qui en a après vous. Et il est en train de vous cribler. Et sans que vous le sachiez. C'est pour cela que Dieu a donné ce temps de grâce. Pour la repentance de chacun d'entre vous. Mais une fois passé, c'est fini. La grâce ne sera plus active. Et que disait donc Jésus? Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus est en train de dire qu'il a prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le jour où tu te convertiras, alors affermis tes frères. Tous ceux qui ont dit de faire ces pratiques, Jésus leur dit qu'il a prié pour eux. Et moi aussi, j'ai prié pour vous en réalité. Mon frère, ma soeur,
Ce n'est pas que je hais quelqu'un d'entre vous, non. Je veux seulement que la vérité soit manifeste. Alors j'ai supplié Dieu pour vous. C'est pour cela qu'il a donné un mois. Jésus l'avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, alors tu affermiras aussi tes frères. Tous ceux qui ont cédé à ces pratiques, et faites en sorte qu'ils se convertissent. Alors dites-leur la vérité pour qu'ils ne soient pas perdus. Parce qu'ils se sont engagés déjà sur le chemin de la perdition. Et il ne reste qu'une semaine. Maintenant, allons voir. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Il s'agit de Pierre. Et quand Jésus disait ces paroles, alors cette parole est venue à Pierre. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas prévu de le dire, non. Mais il a dit, je crois en Jésus. Et si Jésus meurt, moi aussi, je vais mourir avec lui. Ok. Verset 34. Et Jésus dit, Pietro, Pierre, je te le dis, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois me connaître. Yema. Voilà. Pierre n'avait pas planifié cela. Mais c'est quelque chose que Satan lui a planifié. Oui. Oui. Et Jésus savait toutes ces choses. Et si jamais cela arrivait, Pierre sera perdu. Oui. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Il a dit, moi je suis prêt à mourir avec toi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Et c'est ce qui s'est réellement passé aussi. Mais comme Jésus avait prié pour lui, Pierre avait agi avant de retrouver son bon sens. Et il a tellement pleuré. Et il s'est converti. Maintenant, je t'emmène pour découvrir un autre aspect de cette parole. Matthieu chapitre 5. Le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est toujours Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok. C'est bon. Écoute-moi bien. Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque voit une femme ou un homme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère. Frères et sœurs, la compréhension de la parole est celle-ci. Ici, la personne avait déjà planifié cela, résolu dans son cœur. Ce que nous avions vu précédemment, les deux côtés, Pierre n'avait rien planifié, non. Mais cela s'est passé subitement. Et Jésus a parlé. Et il disait reprendre à Jésus. Mais ce qu'il disait n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne doit pas en tenir compte. Dans le second cas aussi,
Il n'avait pas planifié de renier Jésus. Toutes ces choses se sont passées. Le diable avait planifié cela. Mais Jésus-Christ avait intercédé en faveur de Pierre. Et lui a montré le chemin par où passer. Mais ici, la personne planifie déjà la chose. Quoique, cela va dans les projets de Satan. Mais la personne avait déjà décidé cela. C'est ceci. L'homme, il a vu une femme. La femme a vu un homme. Et quand il l'a vu, la manière dont l'homme coupe ses cheveux et l'aspect, disons, que présente ses cheveux quand il se coiffe, et quand cette femme voit ce type d'homme et quelque chose se passe dans son cœur. Les habits portés par cet homme, une fois que cela est la femme l'accepte d'une certaine manière, ou que la femme, si la femme apprécie cela, quelque chose l'émeut. En même temps, cela est déjà en elle. Elle a déjà produit ses émotions. Ses pensées ont déjà produit cela. Et quand elle a produit cela, son cœur l'a accepté. Et elle avait dans son cœur. Et cet homme ne savait pas encore qu'une certaine femme est en train de le désirer. Mais la femme fait tout pour connaître ou voir le chemin par où passe cet homme. Pour cela, et quoi que le chemin est emprunté souvent par la femme ne passe pas par là, elle fait tout pour passer sur emprunter le même chemin que ce monsieur. Et quand elle emprunte ce chemin, et elle appelle jeune homme. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Et je passais. Et je voulais te saluer. Il dit d'accord, nous allons tous bien. Peu de temps après, elle reprend à nouveau. Et Jésus dit, tous ces pas qu'elle pose, elle a quelque chose dans le cœur. Et ainsi Dieu l'a considéré et qu'elle a déjà commis adultère. Homme, du côté de l'homme aussi, c'est la même chose. L'homme a vu la femme. Et peut-être que comme la ça. Femme a un visage rond. Et ce type de visage plaise tellement à cet homme. Et quand il l'a vu, cela a produit quelque chose dans son cœur. Peut-être que la position de ses seins. Nous devons savoir qu'il y a différents types de saints. Il y en a qui sont aplatis, d'autres, disons, concaves, d'autres incurvés, et d'autres gros. Peut-être ce qui est un tout petit, disons, genre effilé, c'est ce qui plaît à l'homme. Et quand il a vu, alors quelque chose s'est passé en lui. Et il a regardé. Elle fera tout pour connaître les habitudes de la femme. Et quand il passe par là, et la trouve, oh sœur, est-ce que vous allez bien? Et je passais par ici. Et je voulais tout simplement te saluer. Et elle a dit, d'accord, et nous aussi, on va bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il voudrait créer la même chose en elle. Et devant Dieu, il constate que l'homme est déjà passé à l'acte. Ou que la femme est déjà passée à l'acte. Car si l'opportunité s'offre à lui ou à l'autre,
les deux vont faire quelque chose. Ok. Il y a encore beaucoup de choses, mais je n'ai pas assez de temps. Ok. Et je sais que nous sommes tous d'accord. Ces choses se passent tellement. Maintenant, la chose est celle-ci. L'homme, c'est lui qui produit cela. C'est l'homme lui-même qui crée ces choses. Mais ce qu'il crée n'est pas dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit qu'il n'a pas encore couché avec elle. Mais Dieu le considère comme étant un adultère. Okay. Nous sommes en train d'observer ce qui sort de la bouche. Et si nous observons celui-ci, c'est différent du premier cas que nous avions lu. Ce que Jésus avait dit à Pierre. Mais ce cas-là aussi, il aurait pu avoir de destruction. Mais ce cas-ci aussi est différent dans un autre sens. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ok, allons dans Job, le chapitre 31. Le premier verset dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vois-tu, à cause de ceci, Job est en train de dire qu'il a vu ses yeux et qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Car il sait les choses, les profils de choses qui touchent son cœur. Frères et sœurs, tout le monde. Chacun a ces choses qui lui plaisent. Et ces choses ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Chacun a son cas pour lui. Et ce qui va te plaire, tu le sais. Homme comme femme. Écoute bien cette parole. Alors Job savait ce que désirait son cœur. Job est un homme. Peut-être, un exemple, supposons qu'il a vu une femme et qu'elle a de petits seins et que cela va toucher son cœur et pour le mouvoir peut-être. Alors comme Job sait qu'il est ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a fait un pacte avec ses yeux. Que Aïe reconnaît que toi et moi, nous avons fait un pacte. Et dans ce pacte, et si je vais quelque part, ou que j'ai reçu des invités, et qu'il y a des femmes parmi eux, ou que nous avons rencontré une femme quelque part, hey, si tu parles à cette femme, ne va pas au niveau de ses seins. Écoute-moi bien, c'est quelque chose d'important que nous voyons. Job savait qui il était. Il savait qui il était. Il a dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Que voit la personne. Mais les parties qui vont t'attirer, qui vont t'intéresser, ne regarde pas ces parties. Et Job, ayant fait ce pacte avec ses yeux, il a gardé ce pacte jusqu'au jour de sa mort. C'est quelque chose qu'il a dit ici. Ce n'est pas une simple affaire. En vérité, Jésus-Christ est en train de dire, quiconque va renoncer à lui-même et qui va prendre sa croix pour le suivre,
aura la vie. Voilà. Alors Job a renoncé à lui-même. Si ces gens vont voir les choses ainsi, il arrive à côté de la personne. Que si c'est l'œil qui va faire en sorte et que cela va l'attirer, il va voir, mais jamais regarder là-bas. Alors Job est à côté de toi. Vous causez ensemble. Si tu le regardes bien, tu verras qu'il y a une partie de ton corps sur laquelle ses yeux ne se fixaient jamais. S'il te plaît, c'est juste un exemple. C'est un exemple. Mais c'est très bon ceci. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. De ne pas garder mes regards sur la Vierge, non. Pour cela, et Job n'a jamais commis adultère. Jamais. Job a été compté parmi les trois saints. Ok. Nous poursuivons quelque chose. Le verset 2. Et quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Kakle nye domenye nou cho mousekata togbo le tifu vima. Et quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La rue n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Quiconque fait le mal, alors il est frappé par le malheur. Ok. Des malheurs m'ont pompé. Dieu n'a-t-il pas connu mes voix? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Job dit que Dieu observait ses voix. Tous les pas qu'il posait, Dieu voyait cela. Et tout ce qu'il faisait, Dieu le voyait. Voilà la chose. Par cela, toute parole qu'on t'annonce, ce que tu acceptes dans cette parole, Dieu l'examine aussi. C'est pour cela que j'avais dit précédemment, si on te demande de faire quelque chose et qui n'est pas dans la parole de Dieu, tout comme ce que Jésus a fait, alors fais de même. Pierre lui a dit, Seigneur, arrière de toi cette parole. Et mourir pourquoi? Mourir pourquoi? Cela n'arrivera pas ainsi. Jésus lui a dit, hey, Satan, arrière de moi. Oui. Tu mets en scandale. Car il savait que ce que disait Pierre n'était pas dans la parole de Dieu. On t'a dit de balayer. Est-il dans la parole de Dieu? Le mouchoir de Satan est-il dans la parole de Dieu? Mais tu as accepté toutes ces choses et tu les as mis en pratique. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te détruire. Viens. Dieu examine tout. Le verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, et si mon pied a couru vers la fraude, et que Dieu me pèse dans des balances justes, et il connaîtra mon intégrité. Il dit tout pas qu'il pose, que Dieu le pèse dans une balance. Non, quoi faut de dire, et pour voir ses pas qu'il a posé. Pour voir si ce pas posé pas dilo, allo, dit, n'est pas conforme à sa parole ou non. Non, mon frère, ma soeur, vu, c'est quelque chose d'important que Job dit ici. Okay. Le verset 7. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, est-ce que tu vois?
Et mes pieds se sont détournés de droit chemin. Et j'ai fait ce que j'avais dit de ne pas faire. Et mon cœur a suivi mes yeux. Ce que voyaient mes yeux, alors mon cœur l'a suivi. Et quoi que je suis rentré à la maison, la chose a continué par m'animer. Jusqu'à ce que je planifie quelque chose. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Viens voir. Alors, et si quelque souillure s'est attaché à mes mains, des souillures se sont attachées à mes mains. Qui veut dire que quand tu as pris ce balai, pour balayer, cela est attaché à ta main. Et quand tu as pris le mouchoir de serpent, il est attaché à toi. Le serpent est attaché à toi. Et partout tu passeras, le serpent est attaché à toi. Alors, comment va-t-il te traiter? Il va te détruire. Il te détruira. Que je sème et qu'un autre moissonne. Peu de temps après, tu verras que tout travail que tu fais va commencer par se détruire. Oui. Tu vas semer et un autre moissonnera. Et que mes rejetons soient déracinés. Cela veut dire ce que tu es potentiellement que Dieu envoie dans ce monde, tu seras déraciné. Tu seras déraciné et tu ne pourras plus rien faire. Et c'est ce qui détruit la vie de plusieurs. Les faux prophètes détruisent la vie des gens. Anania avait parlé. Que laisse la parole de Jérémie. Et qu'est-ce qui est arrivé à Sédécia? Il a été déraciné. Il a été déraciné. Car tous ses enfants ont été égorgés devant lui. Frères et sœurs, ces fils-là qui vont lui succéder après, ils ont été égorgés tous. Et lui-même, on lui a crevé les yeux. Et il ne voyait plus. Et il est parti en prison. Et il est mort là-bas. Viens voir. Allons dans Jérémie chapitre 17. Les versets 9 et 10. Il dit, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Pour cela, tout ce que considère ton cœur, tu dois le comparer à la parole de Dieu pour voir si c'est la même chose. Si ce n'est pas la même chose, alors rejette-le en même temps. Et prends la parole de Dieu et mets-la en application. Il continue en disant, moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins. Et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ok. Maintenant, nous avons compris les choses maintenant. Nous si, il est Lot. Ce que Lot avait en lui, qui était caché là-bas, que l'Éternel a mis à découvert. Par cette dispute entre les bergers. De la même manière, tout ce qui est caché dans ton cœur, Dieu va le mettre à jour. Et je le dis à ces prophètes,
Que s'ils sont décidés à se repentir réellement, qu'ils aillent sur les ondes radio pour le dire. Mais s'ils ne veulent pas se convertir, ils veulent continuer de tromper les gens, ils ne vont pas le dire, ils vont se taire. Et parce qu'ils veulent que les gens soient détruits. Parce que le serpent est déjà attaché à ces gens-là. Le balai est déjà collé à ces gens-là. Et ils n'attendent que leur perdition. Mais s'ils voient la radio pour le dire, et de faire savoir à tout le monde que ce qu'ils ont fait était mal, et qu'ils demandent pardon, l'Éternel va l'entendre depuis le ciel et va le leur pardonner. C'est ce que l'Éternel a dit. Il dit qu'il l'écoutera depuis le ciel et pour le leur pardonner. Mais s'ils ne le font pas, alors le jugement viendra. Ok. Maintenant, continuons. Dans Jérémie, le chapitre 32. Jérémie à tabla est ton voix élevée. Jérémie 32. Et voyons quelque chose d'important là-bas. C'est de qui? C'est de Sia. Tabla ton voix élevée. Qui est venu? Le verset 2. Remaï, Babe Fia, veut avoir de tout de Jérusalem. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Cela nous ramène encore dans 2 Rois chapitre 25. Oui. Car on était là-bas quand on a introduit la notion de Lot. Maintenant voyons ce qui s'est passé. Babe Fia de tout Jérusalem. Aïe! Wodenya gbodi la Yeremia gaho de jolao pokohonu sil Yudafia fema. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Novio, frères et sœurs, nous signa gbodi la Yeremia glo. Ce qu'a dit le prophète Jérémie. Nese de qui ana wode dia. Et pour que ce Sédécias l'observe, il a refusé. Dans ces 21 mois, et quand le roi de Babylone et son armée ont assiégé Jérusalem, Jérémie a continué Juda, livre-toi. Observez ce que l'Éternel m'a demandé de vous dire. Et Babylone va dominer le monde. Et Juda sera captif à Babylone pendant 70 ans. Roi Sédécia, livre-toi au roi de Babylone. Et Sédécia a dit, qui es-tu? Moi, j'ai déjà accepté ce que Hanania a dit. Et c'est ce que je vais observer. Alors saisissez Jérémie. Et les soldats sont partis le saisir. Et ont mis Jérémie en prison. Frères et sœurs, examinez bien ces choses. Jérémie a été mis en prison. Dans la maison du roi. Et pour que lui-même il le surveille. Qui est-il? Cela veut dire quoi? Et ces paroles souillées qu'il prononce, ces mauvaises paroles qu'il prononce, de laisser tomber le balai, de laisser tomber le sang des serpents, des paroles souillées et mauvaises, cela veut dire quoi? Frères et sœurs, on a mis Jérémie en prison. Alors que ce que disait Jérémie, c'était pour sauver le peuple entier. Il a été mis en prison. Viens voir. Et là, ben, Yuda Fia, c'est de qui? C'est de si, roi de Juda l'avait fait enfermer et lui avait dit,
Est-ce que tu vois maintenant? J'aimerais te demander. Les paroles que tu entends. Est-ce que tu mets les paroles en prison? Et tu introduis ces paroles en prison. Et parce que tu ne veux pas les observer. Et tu rejettes la parole. Parce que tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Afin de continuer à faire ce qui est mal. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Car quelque chose s'annonce. Quelque chose va arriver que tu ne pourras pas supporter. Jérémie, il a dit si c'est cela, ça va, c'est bon. Jérémie était en prison. Et pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel. Il disait à Jérémie, pourquoi as-tu prophétisé que l'Éternel a dit cela? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone. Et il la prendra. Pourquoi dois-tu parler ainsi? En disant que Sédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens. Cela veut dire quoi? Et tu as parlé autrement que je n'échapperai point aux mains des Chaldéens. Toi, tu es qui? Toi, Jérémie, qui es-tu? Pour dire que moi je n'échapperai point aux mains des Chaldéens, que moi je leur échapperai assurément. Va, viens voir. Il continue en disant quoi? Mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Et il lui parlera bouche à bouche. Et ses yeux verront ses yeux. Jérémie dit, Nebuchadnezzar vont se rencontrer et vont se voir les yeux dans les yeux. Vous allez rencontrer l'Éternel les yeux dans les yeux. Les faux prophètes, l'Éternel va vous rencontrer les yeux dans les yeux. Alors repentez-vous. Hâtez-vous de vous repentir. Car quelque chose arrive. Viens voir. Le roi de Babylone amènera Sédécia à Babylone. Où il restera. Jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Vois-tu? Mais si tu examines les paroles de Jérémie, il ne voulait pas le mal du roi Sédécia. On dit qu'on l'amènera à Babylone. Et il va rester là-bas jusqu'à ce qu'on se souvienne de lui. 70 ans après. Il avait dit, il ne disait pas que le malheur va le frapper. Et moi aussi, je vous le dis, je ne veux pas votre malheur. Non. Car je vais avoir mal au cœur. Oui, serai affligé. Car je veux que vous trouviez le bonheur. Pour cela, confessez. Car vous aviez menti. Dites-leur à tout le monde. Et tous ceux qui ont cédé à cette pratique, qu'ils se répandent. Car un grand malheur va s'abattre sur eux. Car le serpent est attaché à eux. Le balai s'est attaché à eux. Et pour détruire complètement leur vie. Pour détruire leur âme. Et pour détruire leurs œuvres. Et détruire tous leurs biens. Alors dites-leur pour qu'ils prient à l'Éternel. Pour que Dieu vous pardonne. Et si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Si vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Alors Sédécia ne le fait pas.
Jérémie était en prison. Jérémie était toujours en prison. Et il le disait toujours. Dites-le à ses disciples. Ne combat pas. Ne cherche pas à te battre. Car si tu te bats, tu n'auras pas de succès. Et le roi de Babylone va te tuer, il va te détruire. Mais il a refusé, n'a pas entendu. Allons dans Jérémie 52. Le verset 10. Il dit. Le roi de Babylone fit égorger les filles de Sédécia en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Est-ce que tu vois? Jérémie leur a dit cela. Et ils ont refusé de l'écouter. Ils se sont entêtés. Et ils vont se dire entre eux. Qui est-il donc lui, Jérémie? Anania, lui, il a déjà parlé. Vois-tu? Anania est mort 2 mois après. Mais il ne savait pas que c'était à cause de cela qu'il est mort. Parce que personne n'était là quand Jérémie lui a parlé. Que l'Éternel dira que tu mourras dans cette année. Il est mort. Frères et sœurs. Mais il continue de dire que ce qu'Anania a dit, c'est ce qu'ils vont observer. Et tous les chefs de Juda, les puissants, les principaux, ont tous été égorgés devant Sédécia. Après qu'ils aient tué ses enfants. La Bible dit. Puis il fit crever les yeux à Sédécia et le fit lier avec des chaînes d'airain. Et Babel fit appeler Babel. Et tu es de Gachom, va se de Epekoub. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Mon frère, ma soeur, il est l'heure, je ne peux continuer encore. Il reste encore 9 minutes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une simple affaire. C'est de qui? C'est de Sias. Le voilà. Que ceci soit un exemple pour tout le monde. Et toute parole dite par les faux prophètes, ne les observez pas. Si tu les observes, ces paroles vont te détruire. Elles vont te détruire. Elles vont te détruire. Qu'ils le disent maintenant. Qu'ils l'annoncent maintenant. Ne plaisante pas avec l'Éternel des armées. Vois-tu, quand on prend le serpent, on prend le balai. Et on dit, nous faisons les pratiques de nos vaudous. D'accord. Alors tu peux pratiquer ce qui est de ton vaudou. Si quelqu'un veut, peut venir vers toi. Mais si tu prends le nom de Jésus en plus, Dieu s'est mis en colère au ciel. Que ce n'est pas là ce qu'il a planifié de faire. Que vous êtes en train de gâter son nom. Une question. Si un président chef d'État n'a pas dit quelque chose, que toi tu vas annoncer à tout le peuple que voilà ce que le président a dit, selon toi, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? On va te saisir et te mettre en prison. Le président ne l'a pas fait, ne l'a pas dit. Tu as dit qu'il a dit. Tu iras en prison. Alors qu'aucun président n'est plus grand que l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées n'a pas fait quelque chose. Il ne t'a pas envoyé à faire cela pour que tu tues un serpent. Et de mettre le mouchoir dans son sang et le vendre aux gens. En son nom, Dieu ne l'a pas dit. Mais tu dis que c'est l'Éternel en faisant mention du nom de Jésus. L'Éternel est en colère. Il dit qu'il va juger. Mais il te donne un temps pour te répandre. Il reste encore une semaine. Une semaine seulement reste pour la fin du délai. Et l'Éternel va se lever. Et il va juger. Et dis-le, ce serait mieux pour que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, le temps est venu
pour que chacun se répande. Et ne plaisante pas avec l'Éternel des armées. Et s'il se met en colère, personne ne peut l'arrêter. Et sa colère. C'est à cause de sa colère que le coronavirus frappe le monde entier maintenant. Que chacun se répand. Que chacun s'attache à l'Éternel. Afin que l'œuvre de l'Éternel se manifeste dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Alors prie maintenant. Invoque l'Éternel maintenant. Et répands-toi. Dis-lui Seigneur. J'ai agi dans la folie. Et j'ai fait ce qui n'est pas bon. J'ai observé la parole qui n'était pas ta parole. Et j'ai détruit ainsi ma vie. Mon Dieu, sauve-moi. Car je me répands aujourd'hui. Jésus-Christ. Quand Pierre lui a dit cela, et d'arrêter de dire cela, parce qu'il ne va pas mourir, il a dit à Pierre, Satan, arrière de moi, et car tu mets un scandale, et ce que tu dis ne vient pas de Dieu, oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait, qui ne vient pas de Dieu, je me répands aujourd'hui. Alors dis-le lui, je me répands et pardonne mes péchés accueille-moi ce matin et lave-moi dans le sang de Christ. Mon Dieu, me voici, lave-moi dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ latina. Latina lewo avola me aye mokoko dela sinyabe latina lewo avola me aye mokoko dela sinyabe latina lewo avola me le Yesu Christo pan koma dans le nom de Jésus Christ la puissance du Saint Esprit la gadanya chimala elle entre dans mon cœur. Quelle œuvre dans mon cœur. Seigneur, écoute nos cris. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des mauvaises choses. Dans le nom de Jésus. Satan veut détruire la vie de tes enfants. Mais le temps est venu pour que chaque enfant de Dieu revienne à l'Éternel. Éternel, écoute la prière de tes enfants. Éternel, écoute la prière de tes enfants et secoue tes enfants ce matin. Merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Le Yesu Christo Fankom. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu. Nous te remercions. Car tu nous as dit tes paroles. Et la parole a agi dans notre vie. Et la parole nous a redressés. Et chaque cœur est revenu à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. À partir d'aujourd'hui, tous les cœurs sont tournés vers toi. Et tu as entendu leur prière. Et la puissance de Dieu est sortie pour eux. Et le secours de l'Éternel est descendu sur eux. Et a sauvé chacun d'entre eux. Et a sanctifié tout le monde. Et tu as sauvé tout le monde. Et de la puissance du coronavirus. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Car ta grâce a agi. Tes enfants t'ont sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à partir de maintenant, l'œuvre de Dieu va se dérouler dans ta vie. Et pour te sanctifier.
adoreji pour te lever accordade agapela et pour te placer sur le rocher oui Yehuwa ba khonama le secours de l'Éternel donao t'est accordé le yesu christ.com dans le nom de Jésus-Christ amen amen praise the Lord alléluia amen amen akema yadi akpotuakula chantons le dernier cantique et nous allons nous dire au revoir enya nous signons Enya nous signona kafuma u sinaya ya enya nous signona e kafuma u sinaya ya le e ya nous signona au enya nous signona Oh, enya, no signona. Oh, kafuma u sina yayalo. Enya, no signona. Aye, kafuma u sina yayalo. Enya, no signona. Ok, anonyinye. Alors portez-vous bien. Manda nok bak plio la fama. Avec toi à la maison, qu'il te protège et qu'il te nourrit et qu'il te bénisse abondamment et que la grâce te soit donnée dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Thank you.